Salut à tous et à toutes, c'est Asdingue24 et aujourd'hui on se retrouve pour ce cinquième épisode de ma série suivie sur Minecraft sur le thème médiéval. Donc vous pouvez apercevoir que j'ai enlevé un petit peu tous les blocs qui traînaient, j'ai remplacé par de l'herbe, histoire que ça soit un petit peu plus clean. Ensuite, le marché, je pense que vous l'avez vu dans le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, ainsi que les anciens épisodes si vous en avez manqué. Alors, le marché, voilà, il est enfin terminé. Donc j'ai mis les panneaux, pots de fleurs. J'ai aussi essayé de mettre des PNJ, mais il se casse, donc pour le moment, il va rester un peu vide le marché. Même si j'ai trouvé un plugin qui a l'air assez cool, qui permet de justement faire spawn des villageois, des gardes, etc. Mais il n'est pas encore mise à jour pour la 1.4.7, donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir l'avoir pour le moment. Donc ensuite là vous pouvez apercevoir la future bibliothèque ainsi que deux maisons. Donc pour le moment c'est vraiment une base, hein. C'est un ordre d'idée on va dire. Ensuite là on va s'approcher un petit peu du cœur du village. Donc là vous pouvez apercevoir une fontaine que j'ai fait hors vidéo. Et je suis plutôt fier d'ailleurs de cette fontaine. Ensuite, tous les blocs bleus, c'est pareil, c'est des limitations des commerces. Hein. Donc à la fin, ça restera pas bleu, c'est simplement pour délimiter les zones. Ensuite, ici, vous pouvez apercevoir le premier commerce. On l'a fait en ligne, histoire de voir un petit peu le rendu que ça donne. De pas arriver en pleine vidéo, pas savoir quoi faire. Donc on a fait un premier modèle. D'ailleurs, on est plutôt content. Je dis plutôt parce qu'enfin. Je parle pour plusieurs personnes parce qu'on est plusieurs sur le serveur maintenant. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué dans le dernier épisode. Ensuite, j'ai créé une maison. On reste toujours dans le thème médiéval. Et du coup, justement, cet épisode, est-ce qu'on va faire des maisons ou est-ce que je vous prépare ce que j'avais prévu? Ouais, on va peut-être partir sur ce que j'avais prévu. Donc j'avais prévu de faire pour cet épisode, c'est le champ de tournoi. Donc vous savez, c'est les endroits où les chevaliers s'affrontent dans des tournois. Voilà, j'avais préparé la petite pancarte. Donc moi je vous dis bonne vidéo et puis à tout à l'heure. Thank you.
le champ de tournoi est enfin terminé. Donc, moi je trouve qu'il est assez complet, même si comme ça a l'air un peu vide. Mais j'ai essayé de me renseigner un maximum sur internet et c'est vraiment à ça que ça ressemble. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Ah, quoique, j'ai juste essayé un truc dans les angles. J'ai rajouté par exemple des sortes de têtes de mort comme ça, têtes de creeper, tout ça. Ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais rajouter des choses comme ça. Et ensuite, en vidéo, je pense que je vais continuer avec l'écurie pour cet épisode. Et après, bah, c'est selon le temps qui reste, pourquoi pas commencer une maison ou un commerce. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure et puis bonne vidéo comme d'habitude. Thank you.
Et nous revoilà pour cette dernière partie de la vidéo. Donc vous pouvez apercevoir que j'ai un petit peu détaillé le champ de tournoi et l'écurie. Donc je pense qu'ils sont entièrement terminés. Bon, là par exemple ici, j'ai fait une petite réserve de foin, l'étage au-dessus, pareil. Ici vous pouvez voir que je crois que c'est, je sais plus exactement comment ça s'appelle où ils mettent les chevaux, mais en gros le foin ici. Et pour cette dernière partie de vidéo, je sais pas encore si je vais faire la bibliothèque ou si je vais faire quelques maisons. Parce qu'à mon avis, pour la bibliothèque, ça risque d'être un peu court. Donc ouais, je vais plutôt partir sur les maisons commerces. Donc c'est parti pour cette dernière partie de vidéo. Thank you.
Nous voilà enfin arrivés à la fin de ce cinquième épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, vous abonner ou même commenter, hein, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc sur ce, moi je vous dis à plus et puis au prochain épisode, hein.